As a non-chairing country, Azerbaijan has a solidarity and a full understanding of the problems and difficulties and challenges that you are facing. And once again, I take this opportunity to welcome you, and I'm also privileged and honored to deliver the message and of my president, President Ilham Aliyev, to this conference and to you. And allow me, I will start with Azerbaijani language, and afterwards we can continue our discussions. Neokolonializm, insan hüquqlarının pozulması və ədalətsizlik mövzusunda beynəlxalq konfransın iştirakçılarına. Hörmətli konferans iştirakçıları, hörmətli xanımlar və cənablar. Sizi neokolonializm, insan hüquqlarının pozulması və ədalətsizlik mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransın açılışı münasibəti ilə salamlayıram. Müxtəlif qitələri təmsil edən 14 ölkə, habelə ədalət uğrunda mübarizə aparan ərazilərin təmsilçilərinin Bakıya toplaşaraq 21-ci əsrdə təəssüf ki, hələ də davam edən kolonializm siyasətinin pisləməsi və onun aradan qaldırılması istiqamətində sistemli və ardıcıl iş aparması və təşkilatlanması sevindirici haldır. Bildiyiniz kimi, 4 il öncə, 25 oktyabr 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Qoşulmama Hərəkatı ölkələrinin yekdil dəstəyi ilə hərəkata sədrliyi qəbul etdi. Bəşəri dəyərlərin təbliğinə xidmət edən Qoşulmama Hərəkatı özündə 120 ölkəni birləşdirməklə BMT Başsambleyasından sonra dünya dövlətlərinin təmsil olunduğu ən böyük siyasi təsisatdır. Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədirliyi qəbul edərkən, mən prioritetlərimi və fəaliyyətimi tarixi Bandung prinsipləri üzərində quracağımı bəyan etdim. Bandung konferansı zamanı müzakirə edilən məsələlərdən biri də kolonializmə qarşı mübarizə olmuşdur. Həmin konferans iştirakçıları qeyd etmişdir ki, xalqların xarici köləliyə, hökmranlığa və istismara məruz qalması əsas hüquqların inkar olunmasıdır. BMT-nin nizamnaməsinə ziddir və beynəlxalq sülh və əməkdaşlığın təşviqinə maneə törədir. Kolonializmin bütün təzahürləri tez bir zamanda aradan qaldırmalı olan bir şərdir. Azərbaycan 21-ci əsrdə kolonializmin davam etməsindən və kolonializmin yeni təzahürləri meyillərinin artmasından olduqca narahatdır. Bandung konferansından 70 ilə yaxın dövrün keçməsinə rəğmən kolonializmi hələ də davam etdirən ölkələr var. Belə ölkələrdən biri və birincisi də Fransadır. Ümumiyyətlə, bəşəriyyətin kolonializm tarixinin qanlı cinayətlərindən çoxu məhz Fransa tərəfindən törədilmişdir. Afrika, Cənub-Şərqi Asiya, Sakit Okean, Latin Amerikasında onlarla ölkəni işğal edən, sərvətlərini talan edən, xalqlarını uzun illər əsarətdə saxlayan Fransa həmin ərazilərdə hərbi və bəşəriyyət əleyhinə çoxsaylı cinayətlər törətmişdir. Fransız silahlı qüvvələri etnik və dini mənsubiyyətinə görə 100 minlərlə dinc sakini soyqırıma məruz qoymuşdur. 20-ci əsrdə 30 il ərzində Fransız Polineziyasında Fransa tərəfindən 200-ə yaxın 6 il ərzində isə Əlcəzairdə 17 nüvə sınağı keçirilmişdir. Həmin nüvə sınaqlarının ağır fəsadları Polineziya və Əlcəzair xalqları tərəfindən bu gün də yaşanmaqdadır. Bir çox təşkilatın etdiyi çağırışlara uyğun olaraq, nüvə sınaqlarının vurduğu ziyan qiymətləndirilməlidir və Fransa tərəfindən müvafiq təzminat ödənilməlidir. Əlcəzairin 132 il davam edən işğal dövründə 1,5 milyondan artıq insan Fransa dövləti tərəfindən qətlə yetirilmiş, bu səbəbdən ölkə 1,5 milyon şəhid ölkəsi adlandırılır. Fransız ordusunun törətdiyi qətliamların miqrası və coğrafiyası o qədər genişdir ki, sadalanmaqla bitirmək çətindir. Mərakeş, Tunis, Mali, Cibuti, Nigeriya, Çad, Senegal, Vietnam, Qəmər adaları, Haiti və digər ölkələr bu gün də bu işğalın ağır fəsadlarını hiss edir. 26 mart 2021-ci ildə tarixçilərdən ibarət Ruandada Tutsi qəbiləsinin soyqırımında Fransanın roluna dair hesabata məsul komissiya tərəfindən Fransa prezidentinə təqdim edilmiş Fransa, Ruanda və Tutsi soyqırımı 1990-1994-cü il adlı sənəddə 1994-cü ildə Ruandada Tutsi qəbiləsinin 800 mindən çox üzvünün qətlə yetirilməsində Fransanın böyük məsuliyyət daşıdığı vurğulanmışdır. Fransa dünyada həm də dünyada ən çox mina istifadə etmiş ölkələrdən biridir. Ancaq Əlcəzair ərazisində 5 milyondan artıq mina basdırılmışdır.
Nəticədə Azərbaycan kimi Əlcəzair də dünyada mina partlayışından ən çox əziyyət çəkən ölkələr sırasında ön yerlərdən birini tutur. Bu siyahıda Fransadan sonra onun yaxın müttəfiqi Ermənistan gəlir. Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində bastırdığı minalar nəticəsində təkcə 3 ildə 340-a yaxın azərbaycanlı mina qurban olmuşdur. Onların arasında çoxsaylı mülki şəxslər də vardır. Bu iki ölkəni bir-birinə belə bir sıx bağlayan səbəblərdən biri də hər ikisinin mina terroru ilə məşğul olmaq təcrübəsidir. Parisin İnsan Müzeyində müstəmləkə müharibələrində 19-cu əsrdə qətlə yetirilən döyüşçülərin 18 min ədəd kəllə sümüyü saxlanılır və nümayiş etdirilir. Həmin kəllə sümükləri arasında Əlcəzairli döyüşçülərin də kəllə sümükləri var. Əlcəzairin həmin sümüklərin geri qaytarılması tələbi Fransa tərəfindən hələ də tam yerinə yetirilmir. 21-ci əsrdə dünyanın bir çox dövlətində bu cür təfəkkürə rast gəlmək mümkündür. Əsrlər keçsə də təfəkkür dəyişmədiyi üçün Fransa kolonializminin utanverici yeni metodları bu gün də davam etməkdədir. Bu konfransa toplaşan dənizaşırı ərazilərin xalqları uzun illərdir müstəqillik uğrunda mübarizə aparırlar. Kolonializm tarixindən əl çəkə bilməyən Fransa Avropadan kənarda, sakit və Atlantik okyanlarında dənizaşırı icma və ərazilərdə yaşayan xalqların azadlıq arzularına və hüquqlarına hörmət etmir, bu arzuların reallaşmasının qarşısının alınması üçün hər vəclə çalışır. Fransız Gvianasında sosial vəziyyət getdikcə pisləşir. Əhalinin təxminən yarısı yoxsulluq astanasındadır. İşsizlik səviyyəsi hər il artır. Burada təbii sərvətlər talan edilir və torpaqların 90%-i Fransa dövlətinin mülkiyyətindədir. Martinika və Guadalupe iki böyük fəlakətlə üz-üzədir. Yerli əhali gizli və qanunsuz məskunlaşma yolu ilə asimilasiya edilir. Vaxtı ilə xlordekon pestisindən istifadəsi təbii ekosistemləri və əhalini zəhərləyib, yerli sakinlər bu gündə onun onkoloji fəsadlarını yaşayırlar. Fransa Qəmər Adaları İttifaqının Mayot adası üzərində suverenliyini tanımaqdan imtina edir. Qoşulmama hərəkatı öz sənədlərində Qəmər Adaları İttifaqının Mayot adası üzərindəki danılmaz suverenliyini daima təsdiqləyir. Yeni Kaledoniyada əhalinin yarısının iştirakı olmadan referendum keçirilir və bu minvalla Yeni Kaledoniya xalqının müstəqil olmaq hüququ əlindən alınır. Etnik azlıqlar konsepsiyasını qəbul etməyən Fransa Korsika dilini qadağan edir. BMT bunu ayrı-seçkilik və beynəlxalq hüququn pozulması kimi qiymətləndirmişdir. Riyakar və kiri standartlı siyasət yürüdən Fransa eyni zamanda bizim regionumuzda milli azlıqların müdafiəçi kimi özünü təqdim etməyə çalışır. Biz Fransada neokolonializm meyillərinə paralel olaraq irqçilik və islamofobiyanın da geniş bir sət aldığını müşahidə edirik. Bugün burada təmsil olunan insanların bəziləri müxtəlif formada təzyiq və ayrı-seçkiliyə, irqçi hücumlara məruz qalır. Daxildə bu cür narahat edici və təhlükəli meyillərlə mübarizə aparmalı olan Fransa hakimiyyəti başqa dövlətlərə dərs keçməyə, digər ölkələrin daxili işlərinə qarışmağa cəhd edir. Fransa qoşunları bu yaxınlarda Mali, Niger və Burkina Faso'dan çıxarılması onun Afrikadakı amansız neokolonializm siyasətinin uğursuzluğa məhkum olduğunu bir daha göstərdi. Qanlı cinayətlərlə zəngin kolonializm tarixinə görə utanmalı olan Fransa, törətdiyi vəhşiliklərə görə üzr istəmək əvəzinə, digər ölkələrdə uydurma etnik təmizləmələrdən danışır. Bu ölkə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzv statusundan öz qərəzli, qeyri-obyektiv siyasətini yürütmək üçün istifadə edir, müxtəlif regionlarda geosiyasi intriqalarla məşğul olur. Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi kolonializmə qarşı mübarizə aparan və azad olmağa çalışan xalqları dəstəkləyir. Sizin 2023-cü ilin 6 iyulunda Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədirliyi çərçivəsində Bakıda keçirilən Nazirlər Toplantısı zamanı, daha sonra 22 sentyabrda Nyu-Yorkda BMT Başsambleyasının qərargahında, bugün isə yenidən Bakıda bəşəriyyət üçün xüsusi aktuallıq kəsb edən kolonializm, onun fəsadları və neokolonizmlə mübarizəyə həsr olunmuş tədbirdə iştirakınız Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi bu məsələyə göstərdiyi dəstəyinin əyani göstəricisidir. Neokolonializmlə mübarizə mövzusunun bütün mümkün platformalar vasitəsilə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması olduqca vacibdir.
Bu xüsusda BMT Baş Assambleyasının 4-cü komitəsinin, siyasi və dekolonizasiya məsələlərinə məsul olan komitənin fəaliyyəti daha da canlandırılmalıdır. Bugünkü konferans kolonializm və onun fəsadları, neokolonializm və mübarizə ilə bağlı qlobal gündəlikdə dayanan çağırışlar və imkanların müzakirəsi üçün əlverişli fürsətdir. İnanıram ki, konferans çərçivəsində aparılacaq müzakirələr kolonializmə qarşı mübarizə sahəsində birgə səylərin səfərbər olunmasına, bəşəriyyətin rifahı və gələcək nəsillərə kolonializmdən azad dünya miras qoymaq məqsədi ilə yeni ideya və təşəbbüslərin irəli sürülməsinə töhfə verəcəkdir. Sizə ən xoş arzularımı yetirir, konferansın işinə uğurlar diləyirəm. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri. Thank you very much, Mr. Hikmet Ajev. We are grateful and highly appreciated as Baku Initiative Group the President's support. We continue our conference with further speeches and presentations of representatives, independence and national movements. I would like to give the floor Ms. Duhamel, Vice President of Environmentals and Democracy for an Independent Martinique. Please, Ms. Duhamel. Bonjour à tous. Je suis Maître Duhamel. J'ai été avocat et je suis membre du MODEMAS et d'un autre mouvement qui s'appelle le Mouvement international pour les réparations. Ces deux mouvements sont liés parce que nous estimons que leur action va permettre une véritable décolonisation de nos pays. Alors, je tiens à remercier tout d'abord le groupe d'initiative de Bakou et le gouvernement d'Azerbaïdjan de nous avoir permis aujourd'hui d'exposer, de nous permettre aujourd'hui d'exposer au plan international les souffrances de nos peuples. Nos peuples encore sous le joug de la colonisation, du colonialisme français, mais aussi nous vous remercions de pouvoir nous permettre d'exprimer nos espoirs et nos propositions pour faire sortir le plus vite possible nos peuples, nos pays, de ce système qui est en train de le détruire. Si nous sommes encore dans cette situation dont nous avons parlé longuement déjà ce matin, cette situation de peuple dominé, colonisé, c'est parce que le colonialisme français est le plus féroce des colonialismes. C'est le plus dur et le plus cruel. En effet, le colon français a entendu s'approprier de nos corps et de nos esprits afin de nous exclure de l'ensemble de notre patrimoine pour l'exploiter à son seul profit. Depuis l'arrivée des colons aux Amériques et en Afrique au XVIe siècle, notre histoire est celle d'une dépossession totale. Dépossession de nos corps, dépossession de notre espace mental, dépossession de nos cultures, de notre territoire. Nous savons que depuis le système esclavagiste, le colon a entendu faire de nous, les Africains déportés et réduits en esclavage, des meubles, c'est-à-dire des êtres dépourvus de toute pensée. Depuis plusieurs siècles, notre corps ne nous appartenait pas. Il appartenait aux colons. Nous n'avons pas de droit sur nous-mêmes. Il était la propriété du colon. C'est ainsi que pensait le colonialisme français, le plus dur, le plus méchant, le plus féroce. Notre corps ne nous appartenait pas. Il appartenait au maître. Et à ce jour, nous subissons encore les conséquences de cette violence extrême faite à des êtres humains. En nous dépossédant de notre spiritualité, de notre espace mental, de notre esprit, et en nous imposant ses goûts et ses habitudes, le colon a entendu faire de nous des sortes de caisses de résonance à sa gloire, des perpétuels valets, des éternels soumis, et comme l'a si bien dit Aimé Césaire, que vous connaissez tous, ce grand homme de Martinique, des jouets sombres au carnaval des autres. L'État colonial français et les colons, toujours présents en Martinique, puisqu'il y a une petite poignée de colons d'environ 1% de la population, toujours donc présents en Martinique, ont entendu
nous priver de la maîtrise de notre destin. Et donc, ils ont fait en sorte qu'ils s'appropriaient tout ce qui pouvait faire de nous, nous permettre d'avancer. Ils se sont appropriés notre patrimoine naturel et culturel. S'agissant de notre patrimoine culturel, ce que nous avons produit comme œuvre, comme art, ce que nos ancêtres ont produit, ont été appelés culture créole, c'est-à-dire du nom du maître blanc. En français, le mot créole signifie colon blanc né dans les colonies. En qualifiant de créole toutes nos productions culturelles et artistiques, les colons français se sont non seulement accaparés de notre production culturelle, mais ils ont entendu nier notre qualité d'être humain, producteur de culture et de société, ce qui est particulièrement grave, mais qui est aussi également un non-sens, puisque notre société, même si on a voulu l'empêcher, elle existe, elle est là, même si elle est occultée du fait de cette colonisation. En ce qui concerne notre patrimoine naturel, on en a beaucoup parlé déjà, les colons se sont accaparés de la quasi-totalité des terres. En Martinique, c'est eux qui ont la plus grosse proportion de terres agricoles. Et par leur mode d'exploitation, notamment en utilisant la monoculture d'exportation, qui est une pratique coloniale, et par les choix qu'ils ont faits, toujours pour leur profit, ils ont compromis nos écosystèmes naturels. C'est ainsi qu'ils ont sciemment empoisonné de manière durable pour plusieurs siècles, mon camarade l'a dit tout à l'heure de Martinique, des dizaines d'hectares de terres agricoles, en y mettant un pesticide comportant une molécule nocive pour l'homme et les animaux, le fameux chlordécone. Il en résulte bien évidemment une catastrophe terrible, une catastrophe économique, puisque le sol, le sous-sol, les rivières, le littoral, la mer littorale, tout est pollué. Et donc, système économique compromis, les agriculteurs sont effectivement sinistrés, les pêcheurs, etc. Donc, toute la chaîne est sinistrée. Mais aussi, c'est une catastrophe naturelle sans précédent. Nous savons que cette molécule, imaginez un peuple empoisonné à plus de 90%, et cette molécule provoque de nombreux cancers. On a parlé du cancer de la prostate. Nous sommes les champions numéro un mondial en matière de cancer de la prostate à cause de cette molécule. Et ça continue. On a découvert chez les femmes des cancers non seulement du sein qui sont effectivement en train de devenir de plus en plus importants, mais aussi des cancers de l'endomètre. Et on exige que le corps médical ne parle même pas de ça. Parce que s'il se mettait à parler de ça, ce serait vraiment terrible. Donc pour ne pas faire peur à la population, on n'en parle pas. Mais de plus en plus, nous constatons effectivement une montée terrible des cancers. Et la majorité, 92% du peuple martiniquais est contaminé. L'État colonial, s'agissant effectivement toujours de l'économie, a permis que ses ressortissants portent gravement atteinte à notre littoral et à notre biodiversité. Notre biodiversité les intéresse particulièrement. Mais ils ont quand même permis, par l'édification d'hôtels, par l'édification de centres de lotissements, que l'on construise sur des zones naturelles sensibles. Nous avons en Martinique ce qu'ils appellent des mangroves et un littoral qui était particulièrement riche. Eh bien, en construisant, en mettant du béton, en bétonnant quasiment tout notre littoral, en détruisant nos forêts tropicales qui sont actuellement dévastées, ils ont compromis nos chances de mettre en œuvre un développement autocentré, un développement durable et solidaire. Mais ils n'ont rien à faire, en fait. L'État colonial français n'a rien à faire de nous. Il est simplement préoccupé de faire le maximum de profit et arc-bouté sur son idéologie de hiérarchisation des êtres humains. Pour eux, nous ne sommes pas des êtres humains. Le code noir déclarait que nous étions des meubles. Et ces dispositions, ça c'est une disposition, une démarche juridique que je viens soutenir ici, les dispositions de ce code n'ont pas été abolies au moment où il y a eu un décret d'abolition de l'esclavage. De sorte que, par le comportement de la France, nous sommes toujours considérés comme une sorte de mobilier qui n'a pas son mot à dire.
Donc, notre peuple, dépourvu de toute direction de son pays, se trouve placé dans une situation qu'on a décrite déjà, mortifère, assistana et non-production. Et cela est voulu, est fait et est vraiment mis en œuvre par la France. Les sociétés de colons, je vous ai dit qu'ils sont 1%, c'est eux qui détiennent pratiquement toute l'économie et donc les grandes distributions alimentaires. Et ils viennent s'enrichir dans nos îles en faisant de nous des consommateurs. Il convient donc de souligner que cette situation s'est considérablement aggravée du fait de l'empoisonnement de nos sols et de nos écosystèmes. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons plus produire comme avant. Nous avons cette belle agriculture que nous avions parce que nous avions un terroir. C'est nous le pays de la montagne Pelée que vous devez connaître, cette fameuse montagne qui a explosé en 1902, mais qui est une montagne qui donnait à notre sol une capacité en matière d'agriculture véritablement extraordinaire parce que c'était un bon terroir et les fruits qui étaient produits étaient de très bons fruits. Mais c'est fini, c'est terminé. Ils ont détruit donc nos sols. Cet empoisonnement a fait que maintenant, nous sommes obligés d'acheter nos produits à l'extérieur. Nous ne pouvons plus tellement consommer nos produits qui poussent dans la terre parce que effectivement, c'est empoisonné. Donc, nous sommes de plus en plus tributaires des produits de l'extérieur. Donc, nous disons, en tant que mouvement qui nous battons pour l'indépendance et la souveraineté de notre pays, que la prise en main de nos territoires est une urgence. Est une urgence parce qu'on vous a dit tout à l'heure que notre jeunesse est de plus en plus à la dérive, sans perspective d'avenir. Et donc, elle est contrainte de s'exiler, alors que nous assistons également, bien évidemment, ils ont peur en France de ce qu'ils appellent le grand remplacement, parce qu'ils savent ce que c'est qu'un grand remplacement. Ils savent comment ils ont remplacé des populations en tuant les autochtones. Donc, ils ont peur parce qu'ils s'imaginent en voyant quelques Noirs et quelques Arabes qui sont à peine 1 ou 2%, eh bien, qu'ils vont être déjà remplacés parce qu'ils savent comment ils mettent en œuvre. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font en Kanaky, c'est ce qu'ils font en Polynésie, c'est ce qu'ils font aussi chez nous. Ils tuent notre population, c'est un génocide par empoisonnement, mais ils contraignent aussi notre jeunesse à s'exiler. Et pendant ce temps, nous voyons arriver dans nos territoires des personnes, des Français, qui arrivent et qui occupent des postes dans les grandes administrations et également dans les groupes privés qui sont, je vous le rappelle, aux mains des colons blancs béqués, qu'on appelle béqués, des anciens esclavagistes. Alors, je ne sais pas si vous voyez le système, la maltraitance que nous subissons dans nos pays. Nos aînés, puis nombre d'hommes et de femmes de notre génération, de ma génération, nous avons payé un lourd tribut pour avoir mené des luttes anticolonialistes et exigé la liberté de notre peuple. Nous avons payé ce tribut. Nous sommes battus et nous n'avons pas vu cette indépendance venir. Même si nous avons réfléchi, même si nous avons effectivement mené des luttes et essayé de voir comment, nous n'avons pas vu arriver. Mais les jeunes de maintenant, qui sont en plein chlordécone, qui ouvrent les yeux, eh bien, la lutte a pris un tournant radical. D'abord, en raison de l'empoisonnement. Alors, il faut vous dire que ces jeunes-là ont décidé de boycotter les grandes surfaces d'alimentation. Ils ont organisé des boycotts et il s'en est suivi une répression terrible de la part de l'État colonial français qui ont arrêté des jeunes tout simplement parce qu'ils manifestaient en leur mettant sur le dos toutes sortes de délits inexistants mais avec l'aide de son système judiciaire parce que imaginez-vous un pays dans lequel tous les juges sont blancs. Tous les représentants de l'administration sont blancs et le pays est à 80% afro-descendants, donc noirs. Et ces gens-là, c'est ces gens-là qui vont juger les jeunes qui ont été arrêtés parce qu'ils avaient décidé d'organiser un boycott des grandes surfaces en disant, bon, on va essayer de voir si c'est en boycott. Ben non, comme ils étaient debout en manifestant devant les grandes surfaces, ils ont été arrêtés, ils ont été frappés et certains ont été jetés en prison. Donc, ces jeunes-là ont compris le sens de ils ont compris qu'il fallait lutter. Et nous avons, peut-être en Martinique, qui a été le premier pays, nous sommes un tout petit pays, mais nous avons effectivement ce sens de la justice, même si nous sommes encore colonisés, eh bien, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont fait tomber des statues qui ont été érigées à la gloire du colon dans nos villes capitales, dans nos villes importantes. Imaginez-vous qu'on érige une statue d'Hitler en plein Paris.
eh ben, nous avons eu droit à des grands colons, des gens qui ont fait du mal aux Martiniquais, qui étaient, leur statut était érigé. Mais ces jeunes-là ont fait tomber ces statuts-là. Et à la suite de ça, nous avons vu qu'une série de statuts sont tombés un peu partout dans le monde. Mais c'est chez nous que c'est parti. Et c'est les jeunes Martiniquais qui avaient initié cette histoire-là. Eh bien, ils sont là, ils sont convoqués, ils seront jugés. Ils seront jugés alors que, en Amérique, à la suite de ça, il y a eu plein de statuts sans que l'institution judiciaire américaine bouge. Mais comme nous sommes en colonie et que la colonie est féroce, l'État français est féroce, eh bien, ils seront jugés, ils sont arrêtés. En fait, ils sont persécutés. Donc, depuis nous, au niveau du MIR, depuis 1904, les années 90, cette association qui s'est constituée pour les réparations mène un combat à la fois sur le plan judiciaire, mais aussi sur le plan culturel et symbolique, pour exiger de la France qu'elle répare les dégâts et les atteintes causées à son peuple par des siècles d'esclavage et de colonisation. Ce mouvement s'est constitué pour cela. Et en 2005, nous avons attrait l'État français devant sa propre juridiction, devant la justice française, aux fins de réparation, en sollicitant préalablement la désignation d'experts dans différents domaines, à savoir le domaine en matière de sociologie, anthropologie, psychiatrie, etc., afin de déterminer l'ampleur et les conséquences néfastes pour notre peuple des agissements de l'État colonial français. Parce que nous savons maintenant que quand un peuple a subi des siècles d'esclavage, cela se retrouve dans ses gènes. Et toutes les peurs qui ont été subies par nos ancêtres ont été transmises, nous ont été transmises. Et plus nous descendons, plus mes enfants sont encore plus atteints que moi. Et donc nous sommes un peuple qui vivons dans la peur, dans la souffrance et dans l'angoisse de ces 4 siècles d'esclavage et de colonisation. Et devant nous, nous avons en permanence les colons et nous avions même leur statut. C'est comme si on vous mettait Dachau en permanence ou un camp de concentration et on vous disait, voilà, vous y êtes, c'est bien, on a tout aménagé pour vous. Donc voilà comment nous vivons, il faut comprendre cela. Et nous avons dit qu'il faut effectivement une réparation. Pour cette réparation, il faut qu'il y ait des experts dans différentes matières qui, effectivement, analysent la situation afin qu'il n'y ait pas de décolonisation avec toujours, comme on a connu en Afrique, l'Afrique qui est en train maintenant de se décoloniser vraiment, parce qu'elle n'avait pas fait ce travail de réparation. Si au départ, elle avait dit, bon, ben, nous ne pouvons pas accepter une décolonisation sans réparation, sans que vous ne partiez, sans qu'il y ait chez nous des boulevards Général de Gaulle ou des boulevards, etc. Ils ont accepté. Mais nous disons, nous ne voulons pas, ayant vu les impacts terribles de la colonisation et de l'esclavage, accepter une décolonisation sans réparation. C'est vrai qu'au niveau judiciaire, nous n'avons aucun résultat positif car nous nous adressons à la justice française. Et ce n'est pas étonnant qu'ils ne nous donnent pas raison. Mais ils ont quand même reconnu, dans certaines décisions, ils ont reconnu le droit à réparation. Mais ils nous disent, oui, vous avez droit à réparation, mais prouvez-nous le préjudice. Comme si des siècles, comme si leur présence même n'était pas déjà un préjudice. Donc, nous savons que maintenant, une réelle décolonisation ne pourra se faire sans qu'il y ait des réparations. Et c'est beaucoup de personnes ne comprennent pas cette démarche parce qu'ils disent oui, mais c'est loin, c'est lointain, l'esclavage, mais l'esclavage est toujours là. La colonisation, c'est une forme d'esclavage. On n'appelle pas ça l'esclavage, mais quand vous dites aux gens, vous ne possédez rien, vous ne faites qu'obéir, c'est nous qui dirigeons la justice, c'est nous qui dirigeons l'administration, c'est nous qui dirigeons l'économie, c'est quoi ça? Et vous n'avez qu'à obéir. Eh bien, c'est une forme d'esclavage. La colonisation est toujours présente et la réparation est toujours urgente et nécessaire. Elle implique cette réparation que nous disposons de fonds. Donc, nous avons demandé à l'État français de payer dans cette assignation. Nous lui avons demandé 200 milliards de provisions pour simplement faire effectivement les études dont nous avons parlé. Parce qu'il s'agit maintenant de savoir comment l'État français doit réparer. Nous avons une idée, puisque nous savons, c'est nous qui subissons ce préjudice. Nous avons besoin de cette réparation. Pourquoi ? Parce que nous devons nous reconstruire, nous devons faire en sorte que cette peur sorte de nos gènes, nous devons bâtir nos écoles, nous devons avoir une économie, non pas
une économie dirigée par la France, mais une économie martiniquaise. Nous devons effectivement nous réapproprier notre culture. Enfin, le chantier est vaste. Et c'est pour ça que nous disons que nous devons donc restaurer notre peuple, nous devons restaurer notre propre paradigme qui implique effectivement l'institution de notre société martiniquaise fondée sur l'unité de l'humain et de la nature. Donc, pour conclure, nous disons qu'au Modemas et au MIR, que cette réparation doit être globale et exclut le toit de simples indemnisations qui laisseraient perdurer les avatars du colonialisme. Pour finir, effectivement, nous sommes très heureux, nous remercions beaucoup le groupe d'initiative de Bakou, le gouvernement d'Azerbaïdjan. Nous vous remercions parce que la constitution de ce groupe nous donne un espoir et nous permet de réfléchir sur les voies et moyens d'une vraie décolonisation, pas d'une décolonisation qui va nous laisser toujours dans un état de sidération, mais une vraie décolonisation. Nous espérons fortement que ce groupe sera le lieu où nous pourrons approfondir la réflexion sur le colonialisme et proposer de vraies actions, des actions viables, pour en finir avec un système de déshumanisation et destructeur. Merci. Thank you very much, Mr. Amel, for your speech. Our next speaker is Mayor of the city Poggio di Venaco in Corsica, Jean-Marc Rodriguez, please. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous tenons tout d'abord à remercier pour leur invitation Monsieur le Directeur et les organisateurs du groupe d'initiative de Bakou et le Bureau de coordination du Mouvement des pays non alignés dont nos hôtes assurent actuellement la présidence. Nous remercions également l'ensemble des participants et tout particulièrement nos frères de lutte sous domination de l'État colonial français qui ont permis notre présence ici. Nous n'avons pu assister aux deux précédentes réunions, mais destinataires des comptes rendus de celle-ci, nous avons pu apprécier la teneur des débats et aurions pu souscrire et signer chacune des déclarations finales dans la direction de l'élimination totale du colonialisme et également décolonisation, révolution tranquille. Comment caractériser notre présence aujourd'hui parmi vous ? Je me permettrai de vous faire un court résumé de notre histoire. Résistance est le premier mot qui me vient à l'esprit pour vous décrire notre nation. En effet, la Corse, île de la Méditerranée, a de tout temps été convoitée et a connu par vagues successives de nombreux envahisseurs. Je n'en ferai pas ici la liste exhaustive qui pourrait paraître rébarbative, je me cantonnerai donc aux deux derniers occupants. Tout d'abord, la République de Gênes, qui pendant 500 ans a essayé de mettre sous son joug la population autochtone de l'île, sans y parvenir, car se heurtant à une résistance de tous les jours, notamment à l'intérieur des terres, elle dut se contenter d'installer des comptoirs sur les littoraux, avant de reculer devant la volonté du peuple corse. En 1735, après la victoire de ses troupes, le général Pascal Paoli et la consulte à Doretza déclarent l'indépendance de la Corse et se dotent d'un hymne et d'un projet de constitution. En 1755, la République est proclamée, forte de sa constitution qui est une première dans l'histoire moderne et qui servira de modèle dans de nombreux pays. En 1768, une double forfaiture mettra fin à cette indépendance. Le 15 mai de cette année, à l'initiative du ministre Choiseul, le roi de France, Louis XV, achète la Corse à la République de Gênes, trop heureuse de se débarrasser de ce peuple insoumis. Vous avez bien entendu, acheté. Qui est le plus méprisable ? Celui qui a vendu ou celui qui a acheté ? En 1769, le roi de France constate que les Corses ne se soumettent pas et décide de conquérir l'île par les armes. Après la victoire des troupes corses, pourtant en infériorité numérique à Borgo, la France engage des milliers de soldats dans la conquête et la bataille de Ponte Novo sonnera le glas de la République de Corse. La population résiste encore et toujours et aux faits de guerre s'ajoutent des exactions de plus en plus nombreuses de la part des Français qui veulent réduire à néant toute forme de résistance ou de rébellion. Les pendus du Niou,
dont des enfants, les familles de Kazinka ou du Fiumorbo, fusillés ou déportés dans les bagnes. À ces massacres, à cette terreur, succède la normalisation, interdiction de parler corse, de perpétuer les pratiques locales, l'obligation de se conformer à toutes les lois françaises et surtout aux lois spécifiques concernant le territoire insulaire, comme les iniques lois douanières détaxant tout produit venant de France et taxant lourdement les productions de l'île. Enfin, l'absence totale de développement, notamment industriel. Voici le quotidien des Corses pendant plus de 2 siècles. Avant de devenir, comme toutes les populations sous domination coloniale française, la chair à canon des guerres mondiales. Celle de 14-18 aura gravé dans le sang et sur le marbre des monuments aux morts de chaque village la liste de ceux qui laissèrent sans bras les campagnes dans leur pays, la Corse. Celle de 39-45 montra le courage et l'abnégation de la Corse pour libérer sa terre. Elle résista et se libéra d'elle-même avec la participation de courageux goumiers marocains en septembre 1943. Ce fait a été ignoré par la France pendant plus de 60 ans. Les manuels scolaires désignaient la Normandie en tant que telle. Mais la résistance était toujours là. Les années 60 allaient le prouver. La réaction au projet funeste des essais nucléaires à l'Argentella, au bout rouge déversé dans la Méditerranée par la société italienne Montedison, on sent la preuve. Les problèmes ont été malheureusement réglés par la violence. Ce sont les prémices du Reacquist, dont la traduction française la plus proche serait la réappropriation. Réappropriation de la langue, de la culture, avec ses chants traditionnels, et de la terre, cette terre qui va encore connaître des drames avec les affaires d'Aléria et de Basteglica Fesch. Cette dernière avait vu des militants nationalistes arrêter des barbouzes de l'officine d'État appelée Francia, qui projetaient l'assassinat de patriotes corses. La réaction hors de propos et disproportionnée des forces d'occupation provoqua la mort de civils étrangers à l'affaire. Entre-temps, en 1976, le Front de Libération Nationale de la Corse avait vu le jour. Le cycle action-répression allait malheureusement endeuiller la Corse et les militants de la résistance allaient payer le prix fort en nombre de morts et en années de prison qui jetèrent trop de familles dans le désarroi. À chaque poussée de résistance, l'État français faisait semblant de céder du terrain en accordant des statuts particuliers et les mouvements nationaux ont réussi à obtenir la réouverture de l'Université de Corte ou encore la création de l'Assemblée de Corse. Cependant, l'essentiel n'était pas acquis. Je parle ici de la liberté au travers de la décolonisation. Aujourd'hui, la situation n'a guère évolué. La France nous a toujours rétorqué qu'elle prendrait en considération nos revendications lorsque nous jouerions le jeu de la démocratie et que nous respecterions le résultat des urnes. Conscient de l'enjeu, le FLNC a déposé les armes en juin 2014. En 2015, puis en 2017, une coalition nationaliste a majoritairement pris le pouvoir à l'Assemblée de Corse, sans aucun effet. La première visite du président des Français, accompagnée parce que la France compte de plus jacobins, s'est faite dans le mépris total, ignorance du peuple corse, dédain de son drapeau et affront à ses alus lors d'une fouille au corps à laquelle le président de l'Assemblée refusa de se soumettre. Un événement tragique allait quelque peu précipiter les choses. L'assassinat d'un prisonnier politique à l'intérieur même de sa prison allait mettre le feu aux poudres. La jeunesse corse se mobilisait et créait des incidents avec les forces de répression sur tout le territoire. Les manifestations faisant rage dans chaque ville de Corse allaient faire réagir le gouvernement français et le ministre de l'Intérieur ouvrait précipitamment les discussions pour démarrer un processus dit historique, amenant à terme l'autonomie. 18 mois après, il s'avère que cette autonomie n'a rien d'historique et ne serait qu'un énième statut particulier. Rien sur la reconnaissance du peuple corse, rien sur la co-officialité de la langue, rien sur le statut fiscal et social, et toujours pas de centre hospitalier et universitaire de prévu.
le statu quo le plus total. Nous n'avons plus rien à attendre de cet État colonial ultra-jacobin. La résistance continue. Voilà un résumé bien succinct de l'histoire chaotique de la Corse. Mais voilà des éléments probants qui nous permettent aujourd'hui d'être présents parmi vous afin d'internationaliser nos luttes pour l'indépendance, de réclamer notre statut de peuple autochtone. Nous souhaitons avec vous, dans l'Union, faire valoir nos droits et militer pour être inscrits sur la liste des pays à décoloniser. Nous avons une terre, nous avons une langue, nous avons un hymne, nous avons un drapeau et nous ne serions pas un peuple. À Corsica, un emica un departamento francese et una nazione vinta cada rinasce. La Corse n'est pas un département français, c'est une nation qui va renaître. A popolo fatto bisogna marcia. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Rodriguez. Now we give the floor to Ms. Christine Iacama. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. I take this opportunity to thank the organizers for creating this platform. And I believe by the end of this conference, we'll be able to influence the COP 2028 that is going to happen next month. I remember in the Africa Summit that happened in Kenya last month, we had an issue whereby our global leaders refused to actually tackle issues to do with the inequalities, especially in the global health context. And you remember in 2020, the way COVID pandemic hit the whole world. And you saw that it was like now, they really created a lot of stigma towards the whole process. For instance, like now, the virus was called Chinese virus or the Wuhan crisis. It became a challenge. And when they wanted to do the trials, they decided to do it in the African countries. That was a big inequality and stigma and discrimination, especially to the Africa countries. So what we are doing towards eliminating decolonization in global health, we fully acknowledge that colonial mindsets and systems that perpetuate power imbalances in global health are not confined by geographical boundaries. They are found in organizations based in low middle income countries. While we focus here on one part of the problem and the solution, we encourage individuals and groups to challenge the status quo. The colonial history of France, marked by its presence in the various parts of the world, has left a lasting impact on global health. And addressing this history is a crucial element in the broader movement of decolonization in the field of global health. Here I'll give an example on what exactly is happening, especially in Kenya. You find our health system is very weak, and what our leaders do, they don't invest in health. You find what they do, a lot of their focus is major on infrastructure, and infrastructure is what they get kickback from the money. But if you look at when they become sick, they are the first people to be flied outside the country. One of our presidents, I remember, he used to have a French doctor. He's called Dr. Silverstein, who used to attend to him while he was sick even in the country. And if he was unable to attend to him, he'll be flown here in France to get treatment. So you can imagine the vulnerable people in the community, the people who are paying the taxes, what happens to these people? In the Western European colonialism and colonization policies, like those of other colonial powers, have had significant repercussions on the healthcare systems, the public health, and social economic conditions of former colonies. Historical practices, such as the extraction of resources. Here I'll give an example. We have gold mines. In the gold mine, you find that women are the most vulnerable people, and they're the ones who clean the mercury using the, who clean the gold using the mercury. It becomes a harm to their body, especially that there are no proper
equipments that they are using, they are using their bare hands, becomes a challenge, and they end up giving birth to children with defects. And these resources are being flown and sold here outside the country. It becomes a challenge. The person who is doing the extra work is getting nothing. Instead, it's harming more of his or her health. It becomes a challenge. The water that they're using to clean the gold, they normally use the water streams. It becomes a challenge because water is a social determinant of health, and people are not able to afford water because water is very expensive. So you find during the rains, especially right now that we have effects to do with climate change, when the flood, we have floods, it normally affects their production of foods, and that's why we are having cases of non-communicable diseases, especially the cancers, an increase in Africa. Western healthcare systems and disruption of traditional health practices have continued to contribute in disparities in health outcomes and access to health. Decolonization of global health, therefore, necessitates a comprehensive reevaluation of France's colonial legacy and its implications for the current state of global health. It entails acknowledging the responsibility for past injustices and actively working to rectify them. To this end, several critical actions can be taken. European colonial empires must engage in an honest historical reckoning, recognizing the detrimental effects of colonial policies on healthcare systems, healthcare professionals, and the overall health and well-being of formerly colonized nations. I've given an example of Kenya, whereby now they're investing on infrastructure. We have our good personnel, but they're unable to work because you find here is a building, this is a health facility. It doesn't have supplies and commodities, and it's so sad that the healthcare workers wouldn't afford to miss a client to die while he or she is in resonance. So what they're doing right now, most of them are relocating to high-income countries to search for green pastures. It becomes a challenge. So colonial empires should advocate for global health policies that prioritize equity and access to healthcare for all, irrespective of geographical location, socioeconomic status. This includes supporting international efforts to reduce healthcare disparities and promote health as a universal right. Here I can say last week we had the GFF commitments and the Foreign Commonwealth Development Organizations. They happened to pledge 98 million euros. Yes, the money is pledged, but honoring it becomes another issue. And if they honor the money, it will come. And when it comes to the governments, you find that they have their own priorities, whereby maybe they can say they are giving contracts for 1 year, and they determine to renew it when they get funding from the foreign and Commonwealth development countries. It becomes a challenge, whereby now, after the contracts come to termination, they are unable to renew the commitments, thus becomes a challenge. How are we going to achieve the universal healthcare? It becomes a challenge. Colonial empires must respect and promote indigenous local traditions and expertise into health strategies. Here we are looking at the traditional birth attendants. They were able to assist, especially during the referrals, especially at the moment as we are talking about primary health care. But now you find in governments, they're unable to recognize them because they're unable to pay them stipends to do the referrals. And the referral system itself is very weak. Looking at the roads are in dire need. And again, looking at the ambulances that they're there, they're very costly. Governments normally lease or hire them, and it's very expensive. And you find that they operate from health facility to health facility. It becomes a challenge to the community. And then with issues to do with the primary health care, it's about out-of-pocket expenditure. It becomes a problem whereby now people are unable to access level 4 and 5, whereby cases of intrapartum cases are able to be addressed at that level. So you find they prefer going to level 2 and 3 because it's free. That's become a challenge. Collaboration with former colonies is crucial. We believe that France should establish genuine partnerships that promote shared decision-making, knowledge exchange, and mutual respect in shaping global health strategies.
colonial empires should reconsider its foreign aid and investment strategies to prioritize decolonization in global health. Investments should aim at improving local healthcare infrastructure and reducing dependency on external actors. France should address healthcare disparities and social determinants of health affecting diaspora communities and marginalized population within its borders, ensuring equal access to healthcare and addressing inequalities within its own society. France's colonial history holds profound relevance for the decolonization of global health. To actively endeavor, France must confront its past actions, commit to supporting healthcare equity, and engage in partnerships that empower rather than exploit former colonies. In summary, we invite the colonialist states to foster a more just and equitable global healthcare system that respects the autonomy, culture, and dignity of all people, regardless of their historical ties to colonial powers. Thank you so much. Thank you very much, Ms. Yakama. Our next distinguished speaker is the chairman of the Africa Mundus Network, Mr. Emmanuel Argo. Thank you. Good morning, everyone. May I applaud the initiative of Baku? I said just the initiative, because last time was I was there, it was in July. And this time I had some hesitation to come back in Baku, because what happens exactly what the president of Baku said against France, I was so happy. But when I said that publicly in France, there is reaction. At least they put fears on death on me. And today I am not here again to say what you already said nicely, because I prepare a statement, but I said that my role here is just to come, just to say what happens in France, because we talk about violence in the islands and in Martinique, Guadeloupe, and the other territories. But inside France, there is a big problem, because the problem is done on the diaspora. The diaspora is people who are not so well organized. By the way, they can put pressure on us. I am elected, I am a member of a municipality council in a very small village in France. This village is run by the right wing, Front National. But I said last time that I'm going to run the election. But people said, why? Because from the place I am till a big city like Blois, in the central of France, everybody knew the name of my list, not on the list, citizen list, but the list of the Negro. So I know that I have to face different action and bad reaction, but you cannot imagine that reaction, racist assault can come from into a council, a municipality council, where normally democracy have to be set up. And this is why you have, like we are here, someone raise up, come from me and said, you, the Negro, you have to shut up right now.
Now you will shut up forever. And he came, stand up on my side, and assault me. I will not be here if I didn't come under the table to save my life. Right now the thing is in the court, and judiciary court. It was just to say that I came. I will not say again what nicely all of you said, and the counselor, the representative or president of Azerbaijan. I salute the speech that you done. But right now, to be concrete, with all of the things, my question is how and what are we going to do concretely to punish these stupid and these racist people? This is my question. And I think that we need to set up a committee just to work on that with everybody, because ideas have not to come from only from people from law, because we are lawyers either. I was professor of law, but I think that we have not the monopoly of good ideas. Good ideas must come from people who have the problem, who live the situation every day. But for me, I came back here just to say that I trust in you guys in Baku, because we had proposal to set up this kind of commission of organism in other countries. Because you mentioned Bandung, you mentioned other place. Other place said they make offer. But I think that right now we need, because we start to work together, we need to move forward and to find solution and relevant solution. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Argo. We highly appreciate your thoughts, and we would like to give the floor to Ms. Beyrouni, member of the Parliament of New Caledonia. Monsieur le directeur général du groupe d'initiative de Bakou, mesdames et messieurs les membres du groupe d'initiative de Bakou, mesdames et messieurs, en introduction, monsieur le directeur général, permettez-moi de vous féliciter pour votre nomination à la tête du groupe d'initiative de Bakou, instance internationale qui porte la voix des peuples, encore sous domination coloniale. Je vous remercie pour m'avoir permise de m'exprimer au sein de cette tribune chargée d'accompagner les peuples en lutte sous domination coloniale. L'accession à la pleine souveraineté de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie a fait l'objet d'une lutte de tous les instants sur plusieurs générations, d'hommes et de femmes, à tous les niveaux, de la part des indépendantistes et nationalistes de cette île mélanésienne du Pacifique, que la France a pris possession unilatéralement depuis 170 ans. L'heure est aujourd'hui venue pour la population concernée, malgré la pertinence du fait colonial, de poursuivre son développement dans un cadre nouveau, au sein duquel l'ensemble des enjeux relatifs à notre planète, tels que le réchauffement climatique, la prospérité économique ou encore la stabilité politique, sera l'objet d'une évolution sincère et concertée dans le droit international et dans le respect du droit international. En effet, depuis toujours, la puissance coloniale
a apporté une doctrine qui vise à diviser pour mieux régner et par effet induit à éteindre la lutte du peuple kanak. De plus, il faut dénoncer l'attitude des partenaires non indépendantistes qui malmènent sans commune mesure les espaces de dialogue mis en place dernièrement au sein desquels les indépendantistes et nationalistes ont toujours privilégié le dialogue avec l'État colonisateur. Ces agissements font peser une menace certaine sur l'acte d'autodétermination, car en plus d'une fraude électorale vérifiée par les Nations Unies en 2014, complétée par la mascarade du troisième référendum volé en 2021, ces pratiques installent le doute au sein de la population concernée et n'offrent pas de perspective digne d'un processus de décolonisation moderne et innovant. Par ailleurs, il faut relever une multiplication de visites officielles françaises depuis début 2023 en Kanaky, en s'immisçant dans le débat référendaire, ces responsables français prennent parti pour les Afrikaners locaux et maintiennent définition les vieux réflexes de la République coloniale. De plus, l'immigration massive et organisée se poursuit dans un esprit opposé au processus d'émancipation et de décolonisation et développe constamment des inégalités socio-économiques de la Kanaky Nouvelle-Calédonie, particulièrement dans l'accès à l'emploi et au logement des populations concernées. En outre, l'exploitation du nickel, notre principale ressource naturelle, doit nous inscrire dans une société plus juste et plus solidaire, à l'opposé du schéma actuel qui entretient un déséquilibre structurel issu de l'impact du colonialisme. Ainsi, il est important pour nous d'être parmi vous, de répondre favorablement à votre invitation, Monsieur le Directeur Général, car nous devons maintenir nos efforts sur la scène internationale afin de garantir notre droit à l'autodétermination. À ce titre, nous encourageons et soutenons les programmes portés par le groupe d'initiative de Bakou, notamment auprès des dernières colonies françaises, car le monde est bouleversé de multiples défis. Et nous devons prochainement adapter notre stratégie politique face à un colonialisme français. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much, Ms. Berenice. Thank you for your participation and speech. Our next speaker is Municipal Councillor of Lifou Comune, New Caledonia, Pierre Gaeze. Merci beaucoup. Avant toute chose, au nom de la délégation du FLNKS, que j'ai le privilège et l'honneur de représenter, permettez-moi de m'adresser aux membres et au président, M. Abbas Abasso, du groupe d'initiative de Bakou, aux représentants du gouvernement azerbaïdjanais, à M. le président du grand mouvement des pays non alignés, pour dire nos remerciements et notre respect pour l'invitation qui nous a été adressée et pour l'accueil chaleureux qui a été manifesté à notre égard depuis notre arrivée. Je voudrais aussi saluer et adresser les mots de respect à toutes les délégations ici présentes,
venus des différentes parties du monde pour répondre favorablement à l'invitation du groupe d'initiative de Bakou. Merci beaucoup. Nous avons été invités par le groupe d'initiative de Bakou pour partager avec vous l'expérience des injustices et des atteintes aux droits de l'homme vécues en Nouvelle-Calédonie. Pour notre part, nous sommes à plusieurs là, à intervenir, pour notre part, l'injustice majeure est celle qui découle de la colonisation de notre pays par l'État colonial français que nous voulons vous présenter très succinctement dans ces grandes lignes historiques. Il y a 8 grandes lignes que j'ai décidé de relever et je vais les citer, donc ces 8 grandes lignes. Donc la première, depuis le 24 septembre 1853 jusqu'à nos jours, au nom du respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le peuple Kanak n'a jamais accepté et n'acceptera jamais la colonisation de son pays par l'État français. Il n'a cessé de combattre et a laissé beaucoup de vies humaines pour un petit pays sur le plan démographique. Je vous donne quelques dates historiques où il y a eu cette bataille qui montrent qu'on s'est opposé. En 1878, la révolte du grand chef Ataï qui va lui-même être décapité. En 1917, la révolte d'un autre grand chef, du grand chef Noël, lui-même tué. En 1981, l'assassinat d'un dirigeant politique du peuple Kanak. En 1984, le guet-apens de Tiendanit qui a provoqué 10 morts sans suite pour les acteurs de l'embuscade. En 1985, les assassinats d'Éloi Machero, de Marcel Nonaro, puis de Zongo Célestin. En 1988, l'assaut de la grotte de Diaï qui a provoqué 19 morts. En 1989, l'assassinat de Jean-Marie Tjibaou et de Yewene Yewene, deux dirigeants du FLNKS. En 2000, l'accident douteux de l'hélicoptère transportant Pidjo Raphaël, PDG de la Sofinor. Je vais ouvrir une parenthèse ici, parce qu'on sort beaucoup de chiffres. Depuis tout à l'heure, j'entends des chiffres. Mais il faut mettre les chiffres à leur échelle. Il faut les mettre à leur échelle. Nous sommes un tout petit pays. Et quand on dit qu'il y a un mort, ce n'est pas toujours le même équivalent en France ou dans d'autres pays. Je donne rapidement un exemple. Quand je dis qu'il y a eu 10 morts dans l'embuscade de Tiadanit, eh bien, selon les calculs, si on applique les règles mathématiques, eh bien, nos 10 morts correspondent à 2000 personnes, parce que nous ne sommes qu'un tout petit pays. Je referme la parenthèse. Je dis ça parce qu'on a une tendance à vouloir comparer les chiffres. Voilà. Je continue le deuxième point. J'avais dit qu'il y avait 8 points, donc je suis sur le deuxième. Le deuxième point, c'est la colonisation de notre pays se manifeste aussi et surtout par le bâillonnement de notre peuple par des vagues d'immigration massive. De ce fait, des projets d'avenir ont été posés sur la base d'une démocratie artificielle pour réduire et écraser notre lutte d'indépendance. Troisième aspect, après la Seconde Guerre mondiale, notre pays figurait dans la première liste des pays à être décolonisés de l'ONU. À notre insu, la France l'a radié de cette liste, arguant que le pays avait déjà les attributs nécessaires et suffisants d'un État indépendant, alors que le peuple Kanak, le peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie, était privé du droit de voter. Donc c'est quelque part mentir au monde entier. Quatrième point, beaucoup de pays avaient alors bénéficié de cette grande vague de décolonisation, en comptant parmi eux les pays frères de la Mélanésie. Par leur aide et par le soutien des pays non alignés,
Notre cas a été réinscrit sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU en 1986. Malgré l'opposition farouche de l'État colonial français, qui refusait que le cas soit regardé au nom de la non-ingérence dans les affaires intérieures de la France. Cinquièmement, de cette réinscription, notre pays est rentré dans un processus de décolonisation échelonné par des transferts progressifs de pouvoir, à l'exception des pouvoirs régaliens qui devaient faire l'objet des trois référendums à la sortie des accords de Nouméa. C'est ce que les interlocuteurs tout à l'heure ont déjà dit. Je ne vais pas donner les résultats, mais tout simplement pour dire qu'à l'heure actuelle, nous contestons la validité du troisième référendum. Il a été dit que nous n'avons pas participé et que le taux de participation n'a été que de 43,5%. Comment peut-on appeler ça un référendum? Comment peut-on bâtir une société sur la base d'un référendum à 43%? Donc, je crois que vous avez déjà été saisis par nos collègues qui sont venus au sommet des pays non alignés pour dire et pour dénoncer ce troisième référendum. Donc, je poursuis. Cette non-participation fait suite à l'épidémie du Covid-19 où nos tribus étaient endeuillées. L'État français en a profité pour arracher le nom à l'indépendance, pour asseoir un nouveau statut basé sur les trois noms, alors que les pays frères de la Mélanésie, comme le Forum des îles du Pacifique, avaient contesté la validité du troisième référendum, comme nous-mêmes. On continue à le faire. Sixième, je numérote bien parce que je vois que on ne veut pas que les discours soient trop longs. Donc voilà, à l'heure où nous échangeons maintenant, nous continuons de contester la validité de ce troisième référendum et disons avec force que les accords de Nouméa doivent se terminer par un troisième, que nous attendons de pied ferme, en disant aussi que toute discussion sur l'avenir institutionnel de notre pays, doit avoir comme plateforme minimale les accords de Nouméa. Septièmement, avant-dernier, le 14 septembre 2023, au retour des discussions de Paris, il nous a été demandé d'examiner et d'apporter des corrections à un document qu'ils appellent un document martyr, élaboré par les loyalistes et l'État français. Ce document est posé sur le non à l'indépendance. Notre mouvement avait jugé que le projet est une stratégie pour enlever nos acquis et stopper notre lutte. Nous avons donc dit, lors de la commission exécutive de notre mouvement, que nous rompons les discussions jusqu'à notre prochain congrès, où nos sections de base décideront de l'attitude et de la stratégie à adopter. Nous allons tenir cette réunion en début novembre. Le 24 septembre 2023, les grands électeurs de Nouvelle-Calédonie donc décident de sanctionner cette conduite politique portée par le gouvernement français et ses complices locaux, en leur infligeant une défaite historique qui a porté pour la première fois un représentant kanak au Sénat français. Voilà les grandes lignes historiques que je voulais vous montrer. Et maintenant, je vais conclure ma petite intervention. Donc, je conclurai en disant le pari de l'intelligence reste un héritage laissé par nos aînés, qui est une arme efficace face à l'arsenal financier et militaire de l'État impérialiste français. Notre lutte est une lutte d'existence en tant que peuple pour pouvoir continuer de porter notre cause jusqu'à l'accession de notre pays à sa pleine souveraineté. Nous ne prétendons pas être plus intelligents, mais l'intelligence à notre sens consiste à soigner la droiture et la noblesse de notre cause face aux tentatives de perversion organisées par le pouvoir colonial pour nous discréditer face au monde et face à nous-mêmes. Elle doit nous interpeller au respect des sacrifices consentis par des États souverains pour porter notre cause sur tous les plans. Notre lutte n'est pas une lutte contre le peuple français que nous respectons,
mais nous nous indignons face à la politique coloniale et l'intrépidité de l'État macronien qui s'obstine à ce désir d'une expansion néocoloniale. Nous continuerons de protéger nos principaux acquis qui restent 1. Notre réinscription, et nous demandons donc à Azerbaïdjan de nous soutenir là-dessus, notre réinscription sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU qui doit poursuivre une véritable décolonisation. Nous leur demandons de maintenir notre réinscription, de ne pas céder à toute tentative de la part de la France pour nous enlever de la liste. La deuxième chose, c'est la constitutionnalisation des garanties contenues dans les accords de Nouméa, qui ne doit pas faire l'objet d'une pseudo-réforme constitutionnelle qui va déshabiller notre lutte de toute protection juridique de la plus haute importance. Le dernier, le respect du choix de porter notre cas auprès de la Cour internationale de justice, et c'est là où nous faisons appel aux pays non alignés, donc en ne nous prêtant pas aux multiples tentatives de séduction de l'État français pour nous mettre contre les pays souverains à qui nous avons demandé de l'aide. Donc nous vous demandons de nous aider, de rester coude à coude avec les pays frères de la Mélanésie, Papouasie, Vanuatu, Solomon et Fidji. Donc de continuer à porter notre cas, surtout au niveau des Nations Unies, au niveau de la contestation du troisième référendum. Je termine, la lutte du peuple kanak continue de bénéficier du soutien international des pays non alignés, des États souverains du Pacifique et particulièrement de la Mélanésie. Elle a besoin d'être soutenue dans le monde entier par les organisations, par les peuples et par la mise en place des comités de soutien anticolonialistes et anti-impérialistes qui doivent s'entraider sur tous les plans et particulièrement celui de la formation professionnelle et universitaire. Je termine en disant anticolonialistes et anti-impérialistes du monde entier, unissons-nous. Merci beaucoup. We appreciate your thoughts, Mr. Geiser. Thank you very much. I'm giving the floor to David Vanabu, Deputy General Secretary of the Caledonian Union Party. Merci. Et avant que je commence mon question, je voulais d'abord avoir une pensée pour tous nos vieux qui ont affronté les marches de l'ONU depuis 50 ans jusqu'à aujourd'hui pour essayer de parler de notre lutte, parler du peuple kanak. Jusqu'à présent, la nouvelle génération apprend les marches et les couloirs de l'ONU. C'est pour ça que c'est une pensée pour tous nos vieux. Monsieur le directeur général du groupe d'initiative de Bakou, mesdames et messieurs les représentants des pays et territoires invités, mesdames et messieurs les chefs des délégations, en premier lieu, permettez-moi, monsieur le directeur général, de vous remercier pour l'organisation de cette réunion importante et de saluer votre leadership dans la conduite des programmes politiques du groupe d'initiative de Bakou, particulièrement dans le combat contre le colonialisme. En effet, après plusieurs mois d'engagement permanent, il est nécessaire de saluer cette dynamique mondiale qui a permis au groupe d'initiative de Bakou de développer plusieurs actions pour accompagner les dernières colonies françaises dans leur quête de liberté politique. Le droit à l'autodétermination, résolution 1514, Déclaration sur l'octroi d'indépendance aux pays des peuples coloniaux, fondement majeur des pays colonisés et des peuples soumis à un régime politique imposé, doit s'affirmer au nom d'une civilisation kanak qui refuse l'assimilation ou l'intégration au peuple français. Depuis le 24 septembre 1853, l'action française a consisté à étendre les limites de ses frontières dans ses contrées éloignées afin de constituer un empire et d'en retirer les richesses au travers des comptoirs coloniaux. L'histoire de cette épopée ne paraît pas si éloignée, si ce n'est que les entités empruntent aujourd'hui le nom des sociétés bancaires, d'assurance, de crédit et de la production métallurgique. L'époque est lointaine, mais la méthode coloniale
et inchangé depuis 1853. Néanmoins, l'accord de Nouméa est un traité capital pour que le peuple kanak impose sa vision d'une perspective viable sans humiliation en partageant un projet de société avec les communautés qui ont occupé la Nouvelle-Calédonie. Les efforts liés à une émancipation politique sont réels grâce au transfert de compétences qui renforce le concept d'une construction progressive d'une entité nationale. Mais le retard pris dans les transferts, les manipulations de la France pour organiser le pillage des ressources naturelles, le manque de volontarisme sur la formation des hommes dans les domaines militaires, de la justice, de la sécurité intérieure et de la diplomatie augmentent le doute et nos interrogations pour que l'État français respecte ses engagements afin que la population kanak puisse exprimer librement et en toute sérénité l'avenir de leur pays. C'est pourquoi nous devons consolider nos liens de solidarité internationale afin de faire respecter notre droit inné et actif à l'indépendance. La création du groupe d'initiative de Bakou, sous l'égide de la présidence du mouvement des pays non alignés, est une opportunité importante pour nous. Nous sollicitons le groupe d'initiative de Bakou afin de nous soutenir dans le travail engagé dans la perspective d'une saisine de la Cour internationale de justice au sujet de l'injustice subie par le peuple kanak durant le troisième référendum. Enfin, je vais vous remercier encore, monsieur le directeur général du groupe d'initiative de Bakou, pour l'invitation et toute l'hospitalité offerte depuis notre arrivée. Oleti, merci. Thank you very much, Mr. Balamba. Thank you for your participation. Dear participants, we have the next break. We will continue after the break. Thank you. Çox sağ olun. Bilirəm ki, artıq lunch vaxtıdır. Mən bütün qonaqlarımıza dərin təşəkkürümü bildirmək istərdim. I would like to extend our appreciation for all our delegates and to all our guests that you have visited Baku. And I have personally today have learned a lot and from your hardships and from the plight of your people against the elements of the colonialism. Indeed, it's unbelievable that in the 21st century, still the elements of the colonialism are still alive in many parts of the world, particularly from the member country of the European Union and member country of the Council of Europe and OSCE, the country which preaches of other countries and other regions about the human rights and democracy, some other things. The country also that pursues a militarization in our region and engaged in a certain geopolitical intrigues in our region. And as a chair of the non-aligned movement, and Azerbaijan will continue its steadfast efforts to support and aspirations for the freedom of your respective regions and of your respective peoples. Today I have taken note about the issues that you have raised, and we will continue to raise these issues in the United Nations, among the non-member countries, and in Geneva, United Nations as office, and other appropriate international institutions. And my country also, for so many years, have been deprived from an independence and from the freedom. And therefore, we understand completely your feelings and your difficulties, because we were also, for many years, even centuries, for aspiring for our freedom and independence, to having our statehood. And we also understand what does it mean, occupation, because we also suffered from the occupation. I wish you all the best, and once again, extending our thanks for your insightful speech and also your strong aspiration to move forward. Once again, thank you. Thank you very much, Mr. Rajiv. Thank you for your participation. Deputatlar, kanun layihəsi çox gözəl hazırlanmış bir kanun layihəsidir və deputat həmkarlarının o kanun layihəsinə səs verməyə çağırıram.